Bénévé. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Peut-être venu pour vous de voir Poséidon. Chanceux, vous avez toujours votre tête. L'incendie a été maîtrisé. N'est pas la mer avec vous. On est déjà bien assis. Il est où ce bateau? Ah, il est de l'autre côté. J'ai dû récupérer des vivres. Le festival est terminé. Celle-là a l'air plutôt rassurante. Je peux? C'est grâce à moi que vous existez, je vous rappelle. Votre ville s'est enlaidie. C'est gentil de te proposer. Navire de ligne, au rapport. Tac. Ah, j'ai pas de vivre. Concurrent est assiégé. Le cessez-le-feu a expiré. Ok, lui part en expédition, c'est parti. Il va falloir que je produise plus de rhum. Beaucoup plus de rhum. Je vois comment ça évolue quand même le rhum. Parce que j'avais fait des trucs la dernière fois. Et je sais pas si ça a évolué. Je souhaite fonder un nouveau royaume ici. Je crains d'être une piètre ambassadrice. Alors j'ai des vitres, il me faut une mine d'or. Une mine d'or, je sais pas si j'en ai ici, je crois que c'est sur l'autre map.
La pollution, qu'est-ce que je peux faire contre la pollution? Alors là, j'aurais pas parié là-dessus. Nous n'avons pas les éléments pour produire une réaction. Ça, je vais stopper, j'en ai pas besoin. Il est temps d'aller défier l'horizon. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. L'analyse est positive. Mais pas la pollution, ok. Moi je suis d'accord, qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir de pollution? Besoin non sollicité, mais pour l'instant je peux pas faire d'électricité. Enfin, j'ai pas assez d'ingénieurs pour leur fournir de l'électricité. L'incendie a été maîtrisé. Ouais, c'est bien que sur cette map que je peux faire des mines d'or. Mais j'en ai un, j'ai une île. Alors ça va être l'autre. Celle-là, j'ai des mines d'or. Donc je vais pouvoir en faire. Je vais regarder combien ça me coûte. Faut 100 personnes. Ah par contre, il va falloir que je leur fournisse du rhum, sinon ils vont pas être contents. Il est où mon petit bateau là? Goélette au rapport. Qui s'appelle Espadon. Je vais fournir. Alors. Ok, donc lui il va aller là. Il va prendre un peu de rhum, pas beaucoup. On va limiter la quantité à 5. Et il va la déposer ici. Et après, je vais devoir faire des ponchos pour pouvoir les faire évoluer. Parce que j'ai besoin de les faire évoluer pour pouvoir créer ma mine d'or. Ok. Donc si je fais ça ici, après j'ai besoin de transformer en or. Ah, par contre cette guerre. Ah, il faut que je ramène mon minerai, ma mine d'or sur l'autre île. Je vais augmenter la population, ça va me faire plus d'argent. Oula, j'ai vachement... Ah ouais, c'est parce que le festival est terminé, j'ai... Je vais baisser vachement au niveau de mes revenus. Faire un don. Vas-y, je vais faire un don. Un petit cadeau, ça fait toujours. Puissions-nous revoir ces rivages. Déclare que l'une de est en cours. Ok. Je vais regarder sans ça. Pouvoir faire la rabat-joie, j'ai plus rien à te confier. Quasi certain. Ouais, non. Vous mordez la main qui vous nourrit. Exactement. Ok, bah rien à faire. Tant mieux. Des pétales par poignée. Du coup,
coup ici ils vont récupérer le rhum, ils vont être contents, je vais gagner un peu plus d'argent, je vais pouvoir faire évoluer mon peuple. Ah, il en est où le bateau là? Ah, il est là, il arrive. Maintenant qu'on a goûté à la liberté. Ah bah non, il est où? Je vois pas. Il est là. C'est pas lui. Bah, je sais pas où est-ce qu'il est le bateau que j'ai fait. Ah bah il est là. Le cessez-le-feu a expiré. Pour augmenter un peu mon nombre d'habitants aussi. Peut-être un truc à construire. Une chapelle. Je construis une chapelle avant. C'est ici. La chapelle. Amiral. Amiral. J'arrive. Je vais regarder. Vaisseau fantôme, après des semaines d'une chaleur accablante, les réserves en eau potable sont au plus bas. Quand la vigie aperçoit un navire au loin, la nouvelle est accueillie avec effusion. À n'en pas douter, ils partageront leur eau. Mais alors que la distance se réduit, l'équipage constate avec stupéfaction qu'il n'y a pas le moindre signe de vie à bord. C'est un bateau fantôme. Il faut fuir tant que c'est encore possible. Ouais, on va... On va partir, on va voir ce que ça fait, c'est la première fois que je pars. Vous avez certes échappé à l'étrange navire désert, mais votre équipage est plus assoiffé que jamais. Ils se murmurent entre eux qu'aucune expédition ne saurait réussir sous pareil auspice. Mais je vais continuer. Et je vais devoir faire des points de choix parce qu'il faut absolument que je fasse évoluer le peuple. Donc pas le choix. Et pour en faire, il me faut des alpagas. Partie sauvegardée. Par contre, je sais pas combien il m'en faut. Et j'ai pas de bois, c'est génial. Je vais en fabriquer rapidement du bois. Voilà. Et
Et si jamais je peux agrandir le port pour. Alors, pas le port, mais augmenter ma capacité de stockage, ce serait vraiment pas mal. Normalement, j'ai des choses pour ça. Augmente la capacité de stockage de l'île. Je prends ça ici. Ah, il me faut des briques. J'ai pas de briques. Je vais aller en chercher ici. Alors, pas là, mais tiens. Une quête. On a rien à me proposer là. C'est gentil de te proposer, mais tout le boulot est déjà prêt. Je vais ramener des briques ici. Je vais prendre. Comme jamais. Ouais, je vais prendre ce bateau là, ça va être un peu lent, mais c'est pas grave. Le cessez-le-feu a expiré. Alors, des briques. Ah, par contre, il va falloir que je reproduise parce que j'ai arrêté la production de briques. Et l'expédition. Pavillon de pirate. Des pirates. Vos hommes les croyaient disparus, mais ils ont la preuve du contraire sous leurs yeux. Le navire à l'approche. Bas un pavillon noir, floqué d'un crâne et de se croiser. Des silhouettes décharnées se présentent contre son bastingage. Ces pirates ne demandent qu'à se repaître d'une proie. Jeter une ancre pour faire face à ses assaillants. Et ben je vais faire ça. Pavillon pirate. Serra de cale. Ces rats de cale vont voir de quoi ces matelots sont capables. Vos hommes font la démonstration de leur savoir-faire tactique. L'ancre tribord plonge dans l'eau, trouve une prise et contraint l'orientation du navire. Votre vaisseau bondit et vire de bord pour faire front aux pirates. Chance de réussite. Faire feu. Récompense découverte. C'est une victoire écrasante. Il suffit d'une salve pour éventrer le flanc déjà vermoulu de ce navire d'une autre époque. Le bateau se disloque sous lui-même et son équipage de pirates se noie sous les yeux de vos hommes qui n'ont plus qu'à servir parmi les débris qui flottent au fil de l'eau. Alors j'ai récupéré mode P. Bah ouais, bah, je vais accepter. Hein. Je n'ai pas intérêt de refuser. Bien, là, je suis en train de remonter dans mon sur mon argent, ça va être cool. Population totale, nouveau monde. Tac. Ah mince, il n'y a pas d'entrepôt lui. Il n'y a pas d'entrepôt, c'est embêtant. J'ai nulle part où porter ça. Ah mince. Ah, j'ai besoin de bois. Ah, c'est embêtant ça. Ça, ça va arriver, je suis en train de le faire. L'effet alternatif font du bon. Agiter un pendule, inciter, je suis heureux. Vous savez ce que vous faites, j'en suis sûr. Sans vouloir faire la rabat-joie, j'ai plus rien à dire.
Une apparition indésirable hante votre navire. Les hommes se plaignent de silhouettes fugitives, de crissements oppressants. Chaque matin, le navire se réveille au-dessus, sens dessus-dessous. Un démon de la nuit souffle le plus hardi de vos hommes d'équipage, tandis qu'il évacue les débris du pont supérieur. Avant que le crépuscule ne tombe à nouveau sur vous, vous comprenez qu'il faut agir. On va trouver le coupable. Vos chasseurs improvisés ont flairé une piste. Des excréments nauséabondes décrivent un périmètre autour d'une caisse percée d'un trou. L'un de vos matelots y risque un bras. Après une brève lutte et l'un de ces piaulements qui vous sont devenus si familiers la nuit, je vais y arriver, le coupable est extirpé de la caisse. Un renard, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. La rusée petite créature devient la mascotte de l'équipage pour le restant de l'expédition. Ah, ça veut dire que j'ai gagné un animal, non? Même pas. Bon bah, raté. Sans arrière-course. Oui. Ah, j'ai assez de briques, ça c'est cool. Votre navire est revenu de son voyage. Ah oui, j'avais envoyé un navire pour... je sais plus pourquoi, mais j'avais envoyé un navire. L'incendie dans l'une de vos usines. Bon, j'ai les pompiers juste à côté, ça va le faire. Ok, j'augmente de plus 50 les réserves, ça c'est bien. Pam. Je garde mes bateaux ici, hein, j'en aurais peut-être besoin pour des expéditions, des choses comme ça, pour des quêtes. L'incendie a été maîtrisé. Alors les ponchos, je devrais en avoir, j'en ai un stock, mais c'est durable en stock. Et ils sont contents. L'inspecteur, j'espère que vous n'avez rien à vous reprocher. Ah, j'ai déjà eu celui-là. Bah pourquoi il me propose moins? Elle me propose des choses négatives, je comprends pas. Je sais pas. Un travail à moitié fait. Mais elle me propose des choses négatives, c'est quoi l'intérêt? Bon, c'était peut-être un bug, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Vraiment bizarre. Si je te disais tout ce qu'on raconte sur toi. Elle a perturbé, en plus j'ai fait n'importe quoi dans mon expédition, je sais pas trop ce que j'ai choisi. Je voulais me dépêcher parce qu'il y avait un timer sur son. Sur sa quête et. Du coup, je voulais me dépêcher. Ok. C'est grâce à votre vie. Ah là là, c'est bon, là j'ai assez pour faire ma mine d'or.
Machine à coudre, je commence à baisser au niveau de la production. Alors, où est-ce qu'elle est ma production de machine à coudre? J'essaie de me rappeler ce que je dois faire. Faut que l'on fasse en deuxième. Quoi que je peux la déplacer celle-là. Je peux la déplacer ici. Bon, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Après des semaines de tribulation, votre expédition revient saine et sauve au bercail. Vous avez découvert un trésor pirate. Les forces boucaniennes ont été envoyées par le fond et c'est le plein navire de guerre. Ah, ça c'est bien ça. Besoin satisfait. Ouais. Tiens, j'ai plus assez d'électricité pour lui. Alors, imaginons que je veux faire des montres à gousset. Est-ce que déjà j'ai assez de charbon et de verrerie pour si jamais je veux lancer la production? Ouais, j'en ai. Et charbon. Charbon, j'en ai pas beaucoup, il va falloir que j'en refasse. Ça a coûté cher ça, faire des montres à gousset, ça a coûté super cher. Mais je vais quand même lancer la production. J'aurais besoin d'un navire rapide. Ouais, je vais prendre un clipper, c'est très bien. Les petits poissons ont besoin de manger. Je vais escorter un navire. Ça va être simple, ça, normalement. Elle est petite, mais elle cogne. Et lui, je vais pas lui de partir, si. Je vais pas le faire partir, lui. Ah, mais attends, j'ai déjà un clipper. Tumulte, il va aller chercher le. Et chercher le minerai d'or que je vais produire. Tac. Oh, c'est moche ça.
Voilà. Ce serait pas mon île porte-bonheur des fois. C'est grâce à moi que vous existez, je vous rappelle. Oui. Entre lui et lui. Donc là, je vais récupérer. Vous validez ? Vous tombez bien. Ah ouais, je valide. Et je vais ouais, je construire une nouvelle mine de charbon. Je vais faire mes mines d'or ici, quelque part par là, où il y a de la place. Le cessez-le-feu a expiré. Et on aura juré, je vais la mettre ici. Avec ce qu'il faut, dit. Attendons les ordres. Ok, donc ça c'est parti pour expédition, pour la quête. Je vais arrêter de vendre des choses, juste histoire de voir si je me stabilise dans les ressources. Tu cherches mes petits. Partie sauvegardée. Faut que je déplace mes bâtiments. J'ai pu avoir de place sur mon île. Alors la route que je modifiais. Ah non, je vais... J'en dépose aussi 10.
quoi ce stockage saturé? Ah, la route elle va pas jusqu'au bout. Je l'ai pas vu. Ah, c'est bête ça. Ok, bah là les ressources sont en train de remonter. À part pour les machines à coudre, il va falloir que je crée une nouvelle usine. De préférence près d'ici pour avoir de l'électricité. Je n'ai pas vraiment l'impression de travailler. Le cessez-le-feu a expiré. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Toi, t'es quelqu'un qui tient parole. Qui? Donnerait peut-être un goût à mes gars. Ah, je suis arrivé à 80. Je peux toujours pas passer d'accord, hein. C'est fou ça. Sans vouloir faire la rabat-joie, j'ai plus rien à te confier. Ainsi, cette ère de légende existe vraiment. Je me souviens plus que j'avais lancé une expédition. Un bon capitaine respecte. Ah non, c'est il me demande de... Ok. Ma famille vous tient en haut ici. Ce que j'ai récupéré du minerai, pas encore. Un incendie s'est déclaré. J'aimerais propager l'armée. Méprisable. L'incendie a été maîtrisé.
Plus tard, je trouverai peut-être quelque chose. Bon, je vais essayer de déplacer mon usine de machine à coudre. Ça me coûte moins cher. Et à déplacer ici. Cette île appartient-elle à votre règne? Sinon, puis-je... C'est immoral. Voilà. Il ne suffit pas toujours de bien mener sa barque. Route orbe, il a rien lui. Il est où? Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Je sais pas où il est mon bateau. Ah, je l'ai pas vu. Une nouvelle commande ? Faut-il craindre les pirates ? Elle est repartie sur la carte du monde, je pense. Ouais, c'est celui-là. Mais c'est bizarre parce que je sais pas où il est parti, l'or. Tard, j'en avais récupéré, non? Assez étrange. Pas trop de corrections, j'espère. Au bureau, on vous surnomme excellent. Pas de correction. Nous sommes parés à la tâche. Ah, que j'aurais pu développer ma ville ici, quand même, j'ai de la place. Hein. Thank you.
voulez pas, eh ben, partagez. Vous allez pas vous y mettre, vous aussi. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Voilà. Ça va m'augmenter mes revenus. Juste falloir que je fasse gaffe aux besoins, voir si c'est stable. Ça devrait aller, je pense. Mais tout le boulot est déjà pris. Partie sauvegardée. Ah, j'ai amené un petit peu de minerai d'or, mais c'est pas énorme quoi. Pas beaucoup. Et combien en stock, j'en ai que deux, c'est... Ouais, c'est pas énorme. L'île de vos concurrents a résisté à une attaque. J'arrive à stocker le rhum quand même ici. Plante à fin free, peut-être qu'il faudra que je construise un nouveau bâtiment pour produire plus. Et après, une fois que je vais arriver à 600 habitants, il faudra des chapeaux. Ah, j'hésite à les faire évoluer tout de suite. Ou est-ce que j'attends, je sais pas trop. Je vais récupérer le caoutchouc. Caoutchouc, je crois que j'en produis... J'en ai pas assez, mais pour l'instant, vu le monde que j'ai sur cette île-là, en ingénieur, ça va, je consomme. Pas besoin de consommer beaucoup en caoutchouc. Je pense que je suis bien au niveau de mes stocks là. Tout est positif, tout remonte, donc c'est cool. J'aimerais bien savoir un peu plus de minerai d'or, parce que je veux construire mes mines pour tester les montres à gousser. Ah mince, je peux pas le... Ah ok, j'ai fait une bêtise. Lui, il faut que je le déplace parce que j'ai besoin d'électricité. D'électricité, donc faut qu'il soit proche d'un bâtiment électrique. L'île d'un de vos concurrents est assiégée. Et puis c'est tout. Il me coûte 48 000. Ouais. Ça a coûté cher. Hein. Ça a coûté très cher. Le...
Je vais baisser énormément au niveau de mon bilan financier. Après, je verrai est-ce que je laisse en actif ou est-ce que je mets les usines en pause. A voir. Mais je peux encore faire évoluer facilement ma population. J'ai de la marge. Bien signer un traité avec elle hein, pour être tranquille. Quasi certain. J'en donnerai peut-être un bout à mes gars. Très improbable. Ah, ça commence à évoluer. Les accords commerciaux. Ah mince, ça m'a. Elle me fait rebaisser tout de suite mon truc. Elle est pas sympa, elle. C'est plutôt bien. Sans vouloir faire la rabat-joie. Accord commercial très improbable. Si je lui demande. Non, on me l'a fait. Dommage. Moi j'aurais essayé. Je vais éclater comme une pastèque. Vous me demandez de la bière aussi. Il faudra que j'en transporte après de la bière. Dépôt. Ah, il faudra que j'importe du pétrole pour créer certains bâtiments. Ah, il vient d'exploser la mine. Il m'a explosé sous le nez. Et B. On va construire ça à côté. Pas mal. Ah, j'ai pas assez de briques. Ça, j'avais pas prévu. Celle-là, je l'ai pas volée. Pourquoi elle peut prendre à tout moment le contrôle de mon île? Je vais refuser. Pas envie. Peuple célèbre vos qualités de dirigeant. C'est gentil de te proposer, mais tout le boulot est déjà pris. Ah, je peux la reconstruire tout de suite, c'est dommage. Si. Mon bateau qui devrait arriver bientôt là. Votre peuple commence à tomber malade.
Ah, je commence à baisser au niveau café, on dirait. Faut que je produise un peu plus de café la prochaine fois. Votre peuple est à nouveau en bonne santé. Ah, mais je l'avais déplacé lui. Ah non, j'ai fait un copier. Ok, je peux faire des minerais d'or. Bah, je vais activer le bâtiment. Ah bah attends. Ça peut être plus productif si jamais je le mets près d'ici. Par contre, ça risque d'exploser. Est-ce que ça, c'est assez proche? Ouais, c'est assez proche. Est terminé. Votre ville s'est enlaidie. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Où est votre loyauté? Cela reflète très bien l'époque. Partez, sauvegardez. Voilà, j'ai reconstruit. Qui vit par l'épée mourra. Ah, il est chiant lui à me proposer, à me déclarer la guerre à chaque fois. Qui est prometteur. Il faudrait qu'il arrête. Vous allez faire ce qu'il faut. Ah bah voilà. C'est compris. Quête de destruction. Rien d'insurmontable. Ah, je pourrais augmenter en réputation et peut-être pouvoir demander un accord commercial. J'aimerais bien. Partie sauvegardée. Le festival est terminé. Au niveau des lingots d'or, j'en gagne. Ok. Votre ville s'est enlaidie. Et je produis pas assez. De ça. Les machines prennent la poussière. La formule est incomplète. Comment ça, il manque du fer? Ah non, il est parti en chercher. Ah oui, ok. Il a fallu mettre sous presse. Un de vos navires est attaqué. Il a fallu qu'on se batte pour rester à flot. Au fond, vous n'êtes qu'un petit capteur. Voilà, lui, je la ramène ici. Et voilà. Va vite, lui.
Ah, c'est pas mal ça. Mais j'en ai un de... d'objets comme ça. Pour éviter que mon navire subisse des attaques. Alors, accords commerciaux, je vais demander. Oui. Et ben voilà. Accords commerciaux, génial. Pas besoin d'agression. Ça avait été moi, ça aurait donné autre chose. Ouais, c'est parfait ça. Si c'est un combat que vous voulez, vous allez être servi. Et ça se prend pour un des nôtres. Voilà, j'ai enfin mon accord commercial avec elle. Pouvoir vendre, voir ce qu'elle vend et... Ouais, elle vend plein de trucs. Elle est vachement avancée sur le jeu par rapport à moi. J'étais un peu trop loin à développer ma ville. Mais si je refais une partie, j'irai beaucoup plus vite. Je suis vraiment très fier de tout ce que j'ai construit. Curieux ? Alors j'interdis les montres à gousser, on est d'accord. Ouais. L'île de vos concurrents a résisté à une attaque. Voilà, je peux commencer à construire ma montre à gousser, c'est pas mal ça. Ah, je peux voir le stock ici, si je savais pas. Je peux voir le stock... D'accord. Sauvegarder.
garder. Et vachement baissé là au niveau argent, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, j'ai dépensé 100 000 pour la corde commerciale. Bizarre. L'incendie fait rage dans l'une de vos usines. Oula, c'est un peu le bordel au niveau des bateaux là. J'attends un défi à relever. L'incendie a été maîtrisé. Un jour peut-être, le soleil dardera ses rayons sur nous. Concurrent est assiégé. Lancez les machines. Ok, donc là je vais avoir mes montres à gousser. Pour avoir activé la vente au public, enfin au public et aux habitants, en espérant que je vais augmenter fortement mon revenu. Le cessez-le-feu a expiré. Cette île appartient-elle à votre règne ? J'en ai 6. Vas-y, je l'active, on va voir ce qui va se passer. Hop. Là, j'augmente pas mal. On continue d'augmenter, donc c'est cool. Ah ouais? Intéressant ce qu'elle dit. L'étincelant joyau. Montre à gousser, ça va assez stable, hein, les montres à gousser quand même. Si jamais j'arrête la production, lui je suis pas obligé de l'arrêter, hein, mais bon, et là, je suis à 5800. Ok, bah je vais rester sur ça. Je vais enregistrer la partie, puis je vais quitter. Et voilà.